Au commencement, de monstrueuses créatures jaillirent des ténèbres. Guidées par le démon du 106e chaos, elles bâtirent une gigantesque forteresse et y enfermèrent le plus prestigieux des trophées. Depuis, pour tenter de s'en emparer, s'y aventurent de valeureux chevaliers, mettant un peu trop à l'épreuve les créatures gardiennes du donjon. Direct du donjon, plusieurs milliers de grévistes, pacifistes pour la plupart, essaient de s'approcher au plus près de l'auto-proclamé leader du mouvement, qui semble vouloir trouver la revendication à proposer à leur boss. Oh, Glabunidulga. Me voici à l'extérieur du donjon, où les chevaliers sont bloqués devant l'entrée. Les esprits s'échauffent alors que... Qu'on n'est pour rien, qu'on est quand même pris en otage, eh ben ça c'est dégueulasse. Tiens, regardez. Et voilà, il n'y a personne. Tout le monde est très concentré ici. Le général organise l'offensive. Il semble plus réfléchi que son prédécesseur. Mais ça pourrait peut-être marcher. C'est le chaos ici. Le mouvement se radicalise. Un nouveau leader a pris le pouvoir. Ah, lâchez ma caméra. Thank you.
aux récents événements, les négociations seraient terminées, mais je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Excusez-moi, comment s'est passé l'échange avec le boss ? Bien, visiblement, nous n'en saurons pas plus. C'était Roland de la Brousse en direct du donjon. Je rends l'antenne.